C'est moi. Tu n'aurais pas dû. J'aurais voulu tout arranger moi-même. Pourquoi? C'est moi qui te reçois, non? Allez, viens. C'est pas très joli ici. Tu sais où j'arrive, hein? Et tu sais ce qui m'attend. Qu'est-ce qui t'attend? Tous les flics du pays doivent se trembler avec ma photo dans leur poche. Et après? La photo, c'est pas le bonhomme. Tu sais, ils ont pas inventé l'eau chaude, les flics. À propos, j'ai vu Blo ce matin. Et alors? C'est tout juste s'il m'a pas fait la cour. Il m'a dit que je pouvais me déplacer à ma guise, etc., etc. Liberté complète. Tu vois le genre? Non, oui, je vois le genre. Il faut jouer avec les cartes de Blo. Guy, toi et moi, on truande depuis qu'on est gosses. Alors si on n'arrivait pas à te faire prendre le large, ce serait la fin du monde. Oui, mais n'importe comment, je retournerai pas là-bas. Et moi? Et quoi, toi? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Mais, Manouche, mais t'as rien compris. Tu sais très bien ce qui s'est passé. J'ai joué, j'ai perdu. C'est de la faute à personne. Maintenant, ils me cherchent et ils me chercheront toujours. J'ai deux cadavres sur les bras, il m'ennuie. Alors j'ai pensé à toi. C'est vraiment trop gentil. Tu as de bonnes nouvelles de ton frère Paul? Il est peinard, vous savez, pour ranger des voitures. J'espère que ça n'ira pas jusqu'au couvent. Je ne sais pas pourquoi, mais quand Jacques, le notaire, a été rectifié, j'ai pensé à Paul. Tout le monde connaissait Jacques. Et on connaît Manouche. Je suppose que tu me connais aussi et que tu ne me crois pas assez cave pour croire que Jacques est mort à cause de Manouche. Chacun a sa petite idée. Tu n'es pas venu ici pour te voir jouer au plus malin. Ensuite, trois jours après Jacques, deux truands de deuxième, troisième zone. Même pas. Se payent une balade à Ville d'Avray. Tu as dû lire leur nom dans le journal et voir leur frémousse. Je les connaissais, enfin je veux dire, comme clients. Enfin, Joe, je te retrouve. Qu'est-ce que vous buvez, commissaire? Un cognac. Donc ce Henri Tourneur et ce Louis Barthel venaient chez toi. J'ai passé une nuit blanche étouffée sous une montagne d'archives. Tu ne devineras jamais ce que j'y ai retrouvé. La mort de Francis le Bancal, il y a 15 ans. Une route droite et pan, pan, pan. On n'a jamais arrêté personne. Mais à l'époque, tout le monde a pensé que c'était Gu. Je la trouve inouïe. Pas toi. J'avais pas pensé à tout ça. C'est pas la peine, je pense pour toi. On me paye pour ça. Je pense même sans le vouloir, quelquefois. Donc, nos deux communions apprennent que l'homme de Manouche est mort et ils se disent que une petite visite à la veuve pourrait mettre du beurre dans leurs épinards. Ils y vont, patatras. Ils tombent sur Gu. Les détails, nous les connaîtrons plus tard. Peut-être. S'il commence comme ça, il va pas rester dehors longtemps. Mais ça vaudrait mieux pour toi. Le fiston, les études, ça marche? Oui. Je l'envoie en Angleterre à Noël et après en Allemagne. Ça lui servira pour son bac. Bravo. J'espère que tu seras encore vivant au moment du diplôme. J'ai peur de rien. Le courage n'évite pas le danger. Tu as une famille, tu dois y penser. Écoute, il faudra qu'on se revoie. Mais ce soir, je n'ai plus ma tête. Et tu sais comment faire. Ne me raccompagne pas, je file par derrière. Le fourgon quittera Toulon demain, flanqué de deux motards à 14 heures. Il se dirigera vers Cadarache par des routes secondaires. Il y aura un type devant, à côté du chauffeur. Et un autre assis sur les caisses à l'intérieur.
pendant que tu sois là, Gus. Comment ça va, Gus? Oh, Pascal. Antoine Ripa. Bonjour. J'éteins? Oui. Tu viens t'asseoir, Gus, viens. Antoine, donne-lui à boire. Comment tu te sens, Gus? T'inquiète pas, ça va aller. Je peux te dire que c'est une tranquillité pour nous de partir avec toi. Heureusement que nulle part son nom n'est prononcé. Encore une chance que Blue n'ait pas fourré son nez là-dedans. La PJ de Paris n'a rien à voir dans les affaires de la Sûreté nationale en province. Bien sûr. Sors pas tes mains ou ta gueule saute. Criminel. Nous avons enregistré la conversation. C'est pas légal, vous m'entendez? C'est pas légal! Tout est légal. Eh ben pour les déclarations aussi, on verra. Vous êtes des blancs! Vous direz ça à Fardiano. Paul Ritchie également. Pour nous, c'est fini. Allez, en route! Je vous en prie, laissez-moi passer. Laissez-la passer. C'est fini, Manouche. Il n'a rien dit. Absolument rien. Allez, Manouche. Rentrez chez vous. Rentrez à Paris.